météo nous promet une des journées les plus chaudes de l'année. Mon conseil, évitez la voiture durant les heures de pointe et ruez-vous sur la plage ou mettez l'air conditionné à fond car ça va être la canicule. Sur la côte, les pics de chaleur dépasseront les 35 degrés. Vous ne pourrez pas dire que je ne vous ai pas prévenu. Poste de secours 23, Doug à l'appareil. Que puis-je faire pour vous, monsieur? Heather, s'il te plaît. Je peux pas me permettre de te remplacer en pleine saison. Pete, pour nous deux, il vaut mieux que je sois mutée. Depuis combien de temps tu le vois? Je ne suis plus avec toi, ça ne te regarde pas. Ce n'est qu'une crise passagère. Je veux me marier et avoir des enfants, pas toi. T'appelles ça une crise passagère? Je comprends, oui. C'était envisagé. Depuis 3 ans, oui. Moi, je lâche l'affaire. Et il a fallu que tu choisisses ce gars-là. Quand je l'ai rencontré, je ne savais pas qui il était. Quand je le rencontrerai, il saura qui je suis. Crois-moi. C'est vraiment typique. Cette plage est sous ma responsabilité. Pas un jour ne se passe sans que quelqu'un se plaigne des monstruosités que ce type construit. C'était la plainte du jour. Quoi encore? Ces ouvriers ont bloqué toute une partie du parking nord. C'est une propriété publique. Merde, il se prend pour qui, ce gars? J'ai eu son contremaître au téléphone il y a une demi-heure. Il a dit que c'était temporaire, tu vois, pour éviter que les passants s'approchent des véhicules de construction. Ouais, temporaire, mon œil. Appelle ton ami pour lui dire que le temps va virer à l'orage. Pete, attends. Pete, tu devrais peut-être te calmer. Plus tard, Barbe, la prochaine patrouille, c'est pour toi. Ouais, c'est noté. Qu'est-ce qui lui arrive? Un petit problème de cœur. C'est merveilleux, l'amour. Je ne tomberai jamais là-dedans, Barbe, crois-moi. Thank you.
Y a pas de problème. Non, non, je t'assure. T'inquiète, je vais arranger ça. Et si tu t'éclipsais en douceur? Je ne voudrais pas que vous vous étripiez. Compte pas sur moi. Je suis jamais devant personne. Surtout pas devant lui. Écoute, lui et moi, nous devons mettre les choses au clair. Alors évite de le provoquer. Promets-le-moi. Fais-moi confiance. D'accord. Tu m'appelles quand c'est fini. Bye. Bye. Bien. Ouais, façon de parler. Pourquoi? Il y a un hors-bord qui est passé à côté de moi à toute vitesse. Vraiment? D'accord, je vais voir ça. Ne m'appelle pas Dougie. Qu'est-ce que t'en dis, Barbe? Faut-il la dispenser? Non, on ne signera rien du tout avant que t'aies fait tes 100 heures. 100 heures, c'est trop long. Faut arrêter de délirer, sérieux, sans blague. C'est qu'un travail d'intérêt général. Tout le monde s'en fiche, c'est vrai. Sauf nous. Doug, je t'en prie, une petite faveur. Non, fillette, c'est impossible. Mais pourquoi ça? Parce que tu dois apprendre à être responsable de tes actes. Oui, oui, blablabla. Parce que j'ai fait une erreur, je dois payer pour le reste de ma vie, c'est chiant. Une centaine d'heures, c'est pas vraiment le reste de ta vie. Oh, une seconde, elle est excellente. Ooh, yeah, be my itchy baby. L'avenir de l'Amérique. Yeah. Ça te rend fière, non? I love you. Ooh, yeah, I love you. Ooh, yeah, be my itchy baby, baby. Ooh, baby, baby. Jette un coup d'œil à ça. Peut-être qu'elle va accepter de signer. Attends. Elle croit au Père Noël. Attends, tu veux bien le signer ça? Plus tard. Excusez-moi, j'étais... Est-ce que je vous connais? Si on se place sous un angle psychologique, il est impossible de connaître vraiment les gens. Donc, j'en sais rien. Tu vas me faire renvoyer. Qu'est-ce que tu fais là? Eh bien, j'étais en train de me promener sur la plage et j'ai trouvé ça. On dirait de l'or. Oh, mon Dieu. Tu l'as trouvé, mais où? Juste là derrière. Elle est magnifique. Ah ouais? Trouve. Peut-être que qu'on peut voir si c'est ta taille. Hey. La personne qui retrouvera cette bague sera extrêmement heureuse, Brian. Moi, j'ai une idée pour te rendre heureuse. Deviens ma femme. Peut-être qu'ils te laisseront la garder. Tu rigoles? Non, sûrement pas. Et c'est à ce moment-là que tu dois dire « Oui, chérie, je vais t'épouser ». Non, là, maintenant? Ouais, là, tout de suite. J'ai amené toute ta famille dans la voiture et le curé est dans le coffre. J'ai aussi invité le... Non, pas tout de suite. Quand? Et t'as toujours pas dit oui? Oui, quand?
Dès que nous aurons obtenu tous les deux notre diplôme. Pourquoi on doit attendre si longtemps? Regarde, tu vas bientôt devenir docteur en biologie marine. Et alors? T'as qu'à réfléchir, réfléchis au prestige. Le gros rien du tout, Brian Conroy épouse le docteur Barbara Simmons, océanographe. T'es pas un rien du tout, Brian. T'es mon âme. Non. Monsieur le docteur Barbara Simmons, c'est original, mais ça sonne bien, ça me plaît. Oui, ça fait presque peur, j'admets. Si on considère que je n'ai qu'un diplôme de théâtre et que je n'ai jamais eu de boulot régulier, c'est normal d'avoir peur. Non, je sais que tu vas faire une brillante carrière. Alors on s'embrasse. Oh, c'est pas vrai, ça va? Vous croyez où, à la plage? Vous faites quoi, hein? Aller à l'hôtel? Il m'a demandé en mariage? Non, c'est sérieux? Oui. Félicitations, c'est génial. Heather, très chère et meilleure amie, si tu pouvais m'accorder un petit break d'une heure, ce serait vraiment cool. Là, tout de suite? Ouais. Ouais, c'est pour se tenir la main tranquillement, avoir un... Un peu d'intimité. Ouais. Stop. Ok, ok. Merci. 20 minutes. Sur les gens? Non, c'est juste pour aller chasser. J'ai des amis qui veulent m'emmener loin des côtes. Bon, et ben on y va quand? C'est réservé aux garçons. Tu ne comptes pas porter ça en service? Non, j'ai un joli bikini très professionnel. Je crois que ce travail a quelques avantages. Qu'est-ce que t'en dis? Dégrafe-moi. Peut-être qu'on aura l'occasion de refaire ça. Tiens, garde-le-moi au sec quelque part. Tu rentres tout le temps dans les mecs de cette manière? Uniquement lorsque je veux quelque chose. Quelquefois, ça fonctionne. Ça vaut le coup d'essayer. De la journée. Tu y réfléchiras à deux fois avant de voler. Ces trucs valaient 20 dollars grand maximum. Ce n'était pas une raison pour voler. Ouais, mais c'est pas comme si je les avais volés à quelqu'un. C'était dans un supermarché et en plus leur prix c'est du vol. Et ils sont remboursés par l'assurance, alors où est le crime? Tu sais que tu es une très grande fille pour une fille de 5 ans.
Écoute, je crois que je ne sortirai jamais avec un gars dans ton genre. Alors je n'ai plus de raison de vivre. N'essaye même pas de m'inviter. Quel dommage. Pauvre acteur, comme si t'avais pas flashé sur moi, admets-le. C'est vrai, je ne pourrais pas vivre sans toi. Mais je vais essayer. Heather, j'ai reçu une plainte au sujet d'un groupe qui fait du parachute ascensionnel. Tu peux aller voir? Le patron? Bien sûr. C'est lui. Vous êtes Smith? Il est tout au fond, à droite. Smith? Laissez-moi deviner. Vous êtes Monsieur Chavez? Vous avez des explosifs? C'est pour les travaux de canalisation. J'ai les autorisations. Et où sont-elles? Je les réserve aux inspecteurs. Autre chose? Vous devez libérer le parking. C'est temporaire. C'est pour qu'il n'y ait aucun blessé. Ce parking est une propriété publique. Vous ne pouvez pas le fermer quand ça vous chante. Écoutez, arrêtez de tourner autour du pot, ok? Nous savons tous les deux de quoi il s'agit. Oui, les baigneurs ne peuvent plus accéder au parking. C'est pour que leur véhicule ne soit pas endommagé par le va-et-vient des camions. Vous ne seriez pas venu si je ne fréquentais pas votre ex. Laissez Heather en dehors de ça. J'essaie de faire mon boulot, c'est tout. Bien sûr. Écoutez, vous avez votre parking. Et maintenant, vous occupez 25 places qui appartiennent au comté. Donc, ce que je vais vous demander, c'est de faire dévier vos convois à une cinquantaine de mètres sur la gauche. On creuse à cet endroit. Pour un réservoir. C'est dommage. Thank you.
refuge de Baja. Évacuez les plages immédiatement et réfugiez-vous sur les terrains situés en hauteur. Je répète, évacuez les plages immédiatement et réfugiez-vous sur les terrains situés en hauteur. Bien reçu. Mettez vos ouvriers à l'abri. Pete, c'est Doug. Doug, déclenche l'alarme et évacue la plage. Allez sur le parking et assure-toi que tout le monde est à l'abri. Ok, tu peux m'en dire plus? Un tsunami arrive. Jenny, amène-toi. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a, Doug? Faut que tu partes d'ici. Prends ta voiture et tire-toi. Oh. C'est quoi, un exercice? Faut faire évacuer la plage. Il y a un tsunami. Vite, sortons de là. Ne me fais pas perdre plus de temps, va-t'en. Vas-y, viens avec moi. Vas-y, dépêche-toi. Aussi grave qu'ils le disent. George, un tsunami, c'est du sérieux. C'est pire qu'un tremblement de terre, ça rigole pas. On a mis des sacs de ciment contre les portes et les fenêtres. Ça les colmatera un peu. Parfait. Rentrez chez vous, les gars. J'ai encore un truc à faire. Tu restes là? Qu'est-ce que tu racontes? J'investis tout ce que je possède dans ce chantier. Si je perds ça et tout le matériel, j'aurai plus rien. Ouais, mais tu resteras en vie. Je reste là. Si tu restes pour elle, c'est que t'es cinglé. Ta voiture. Là derrière. Va-t'en d'ici aussi vite que possible. Mais c'est si grave que ça. Va-t'en, je t'ai dit. Les garçons. Les garçons, vous devez vous en aller. Où sont vos parents? Je sais pas. Ils sont là. Que quelqu'un aide cette femme. Je m'en occupe. Vous savez où est votre voiture? D'accord, venez, on y va. Dépêchez-vous. S'il vous plaît, emmenez-les loin d'ici. Pourquoi t'es encore là? Je devais aider ces enfants. D'accord, vas-y maintenant. Je peux emporter un petit souvenir? Allez-vous-en d'ici tout de suite. Il n'y a nulle part où aller. La route est bloquée. Dépêchons, on y va. Allons-y. Il a été conseillé à tous les habitants d'évacuer immédiatement les lieux. La circulation sur l'autoroute de la côte pacifique est fortement perturbée et les bouchons s'étendent jusqu'à Venice Beach. Doug!
mort-vivant. Non, 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 attends, attends, attends. T'es folle, t'approches pas. J'arrive pas à y croire. Qu'est-ce que c'est? C'est un requin lutin. Je me fiche de ce que c'est. Tue-le, Doug. Non, 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 écoutez. Les requins lutins sont censés avoir disparu. Ils sont extrêmement rares. De quoi est-ce que tu parles? C'est incroyable. On a fait une découverte majeure. Nous devons trouver un moyen de le préserver. Nous n'avons pas le temps pour ça. Contente-toi de le tuer. Non, fais pas ça. Tu ne peux pas. Ah, c'est immonde. Oh, quelle horreur. Ah. Flingue-le. Fais pas ça. Poste numéro 1. Oh non. Allez, tout le monde à l'abri. Allez, 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 allez! Vague dévastatrice et meurtrière, décrite comme un mur d'eau d'une quarantaine de mètres de hauteur, s'est abattue sur les côtes californiennes. Les équipes de secours du comté de Los Angeles ont fait savoir sur le réseau des ondes courtes que leurs locaux et tout leur équipement étaient engloutis sous 10 mètres d'eau. Tous ces dégâts freinent hélas l'intervention des secouristes. Ayant touché terre à 10h17 ce matin, cette vague tueuse a été précisément mesurée par les chercheurs de Caltech, d'après qui le tsunami d'Indonésie en 2004 était moins important que celui-là. À l'instant, le maire de Los Angeles a fait appel à tous les titulaires d'un brevet de secouriste, les invitant à se rendre au centre de secours le plus proche. Ne quittez pas, l'édition spéciale continue. Ça va aller.
grave. Tu survivras. Est-ce que je vais perdre ma jambe? Tu t'en tireras avec des points de suture. On doit l'amener à l'hôpital. Bon, d'accord. Je vais voir où on en est. Ok. Nous sommes à 400 mètres de la Terre. Et un tas de gens ont besoin d'aide. Un bandage pourrait suffire. Non. Elle doit être recousue. Mais on n'a pas d'anesthésie, on ne peut pas attendre. Je sais, mais elle perd beaucoup trop de sang. On n'a plus de téléphone et la vigie a été emportée. Nous sommes coupés du monde. Les gars, vous la tenez. Qu'est-ce que... De quoi est-ce que vous parlez? Qu'est-ce que vous voulez faire? Je dois recoudre cette blessure, ça va être douloureux. Non! T'es pas un docteur! Non, pas du tout, c'est vrai. Mais tu vas mourir si je ne fais rien. Elle enlève ses grosses pattes de moi, je veux une ambulance! Il n'y a pas d'ambulance, ok? Il n'y a plus de téléphone et il n'y a aucun véhicule. J'en ai rien à foutre, enlève-la de moi! Jenny, écoute-moi! Écoute-moi, si on ne fait rien, tu te videras de ton sang. Tu comprends? Tu mourras. C'est la vérité. Tu perds beaucoup trop de sang. Tenez-la. J'arrive pas à croire que ça m'arrive. Hé, les gars, elle fonctionne encore. D'importants dommages jusqu'à l'intérieur des terres, comme à Santa Monica où des maisons et des immeubles ont été emportés par la vague. L'intervention des secours est toujours ralentie par la panne qui affecte le réseau électrique de la zone côtière. Les dégâts sont estimés à plusieurs centaines de millions de dollars. Tiens là, Doug. Je sais, oui. Regarde les choses en face. Tu ne peux plus rien faire pour elle. Je compte bien trouver un moyen d'y aller, pour voir si elle est toujours en vie. C'est trop risqué. Vaut mieux qu'on attende les équipes de secours. Aucun secours ne viendra dans le coin. On est tout seul. Bouge pas. Il reste combien de requins dehors, d'après vous? Je crois en avoir vu 4 ou 5. Il y en a un gros. Vraiment gros. Et si l'eau continue à monter? On ne va pas rester ici. Si on se prend une seconde vague, c'est terminé. Sans bateau, nous n'aurons aucune chance. L'un d'entre nous pourrait aller récupérer un bateau à la nage. Écoute, t'as pas compris. Ces créatures sont immenses et très rapides. Plus que notre jet ski. Non, Pete, c'est impossible. Dis-lui, toi. Il y a un pistolet lance-fusée quelque part? Oui, en dessous, dans le placard. Il y a aussi le bateau gonflable. Utilisons-le pour rejoindre la côte. Un canot en caoutchouc n'a aucune chance face à un requin. Mais la fusée signalera au moins notre présence. Ouais. Reste à savoir où le placard a été emporté. Tiens bon. Accroche-toi. Comment ces requins préhistoriques ont-ils fait pour échouer sur les côtes de Malibu? Est-ce que c'est possible? On va savoir, peut-être que le tsunami a chamboulé quelque chose. Il fonctionne? Regarde si tu peux avoir quelqu'un. Ici le poste de secours 23 de Malibu, nous avons une urgence. Ici
Ici le poste de secours 23 de Malibu. Vous pouvez répondre? On était complètement dévastés. Les dégâts s'étendent de San Francisco à San Diego. Le gouverneur de Californie a déclaré l'état d'urgence. Ici le poste de secours 23 de Malibu. Y a-t-il quelqu'un qui m'entend? Ici le poste de secours 23 de Malibu. Il y a quelqu'un? Ils vont venir nous chercher, pas vrai? Ils savent même pas qu'on est là. Ils pensent que nous avons évacué les lieux comme tout le monde. Ça a été énorme. Ça concerne toute la côte nord de la Californie. Ce qui veut dire qu'il y aura peu d'équipes de secouristes et qu'elles seront éparpillées. Son appel au calme, le gouverneur a officiellement annoncé que toute la côte avait été classée zone de catastrophe naturelle. S'exprimant depuis l'hélicoptère qui l'amenait vers la côte, il a annoncé aux sinistrés que les gardes nationaux, les gardes-côtes et la FIMA seraient immédiatement mobilisés dans le cadre des opérations de secours et que des hôpitaux aussi éloignés que celui de Las Vegas étaient prêts à accueillir dès maintenant plusieurs milliers de victimes. Les experts pensent que la très forte déclivité des côtes de Malibu a contribué à ce que cette zone soit la plus atteinte. En justice pour m'avoir mis en danger. Oh, avec de la chance, tous les avocats se seront noyés. Comment tu te sens? Comme si j'avais mis ma jambe dans un mixeur. T'as assuré, fillette. À quoi est-ce que ça ressemble? On ne voit pratiquement rien. C'est nickel. Oh, mais vous avez vu ce que vous m'avez fait? Je crois avoir fait au mieux dans ces circonstances. Ma jambe! Je suis défigurée! Hé, c'est grâce à elle que t'es en vie. La Frankenstein. Ouais, là j'en ai assez entendu. Mon physique, c'est tout ce que j'ai dans la vie. Ce n'est pas vrai. Jamais plus je porterai de bikini. Rassure-toi, un chirurgien esthétique t'enlèvera ça pour quelques dollars. Va falloir essayer de garder la plaie au sec. Joli pansement et ce sera fini. Il me faudrait du plastique pour garder sa blessure au sec. Barbe. Ouais? Dis-moi tout ce que tu sais sur ces requins. En vérité, je sais quasiment rien. Je sais qu'ils appartiennent à l'ordre des lamniformes. Excuse-moi? C'est l'espèce des grands requins blancs. Ok. Qu'en est-il de leur vision? Ils avaient l'air aveugles. Ils le sont sûrement. À la profondeur où ils vivent, normalement, il n'y a absolument aucune lumière. Ils chassent grâce aux ondes sonores et aux vibrations de basse fréquence. Tu veux dire comme les chauves-souris? C'est un peu ça. Ils ont des récepteurs sensibles au champ magnétique. Waouh. Comme des radars. Génial. Ouais. Je souhaite à personne d'être chassé par ces bestioles. Ouais, c'est sûr. Ok, vous devez bien avoir des armes de service, non? Il me reste encore 6 cartouches. Ouais. Et on a ceci. Donc l'idée, c'est de tuer les requins avant qu'ils n'entrent ici. Je vois pas pourquoi vous tenez autant à tuer ces requins. Je veux dire, tant que nous restons là, nous ne risquons rien, non? Exact, tant que nous restons là. T'as bien raison. Ok. Écoute. J'ai déjà dit combien cette découverte était importante. C'est une espèce de requin que l'on n'a plus vu sur Terre depuis des millions d'années. C'est extraordinaire! Si nous pouvions capturer un spécimen, notre connaissance de la chaîne de l'évolution ferait un bond en avant. C'est une découverte scientifique capitale. En plus de tout ça, il y a peut-être autre chose là-dessous. Barbe, notre intention n'est pas de faire disparaître une espèce, mais à l'heure actuelle, notre problématique est la survie des plus aptes. Il a raison, Barbe. C'est vrai. Brian, je comprends leur point de vue, mais j'aurais voulu que tu me soutiennes. Écoute, je te soutiens tout le temps, mais je ne veux pas qu'il t'arrive quoi que ce soit.
Vous ne réalisez pas à quel point c'est important. On va s'en sortir. D'accord? D'accord. Je ne veux pas que tu t'inquiètes. D'accord. Je t'aime tant. Je t'aime aussi. Ok. Montrez-moi comment on se sert de ces trucs. Pas de problème. Viens voir. Pas longtemps à l'abri. Nous allons devoir les combattre. Pour ça, on risque d'être obligé de nager. Je n'ai qu'à m'occuper de Jenny et toi de Brian. Vaut mieux pas. On n'aurait aucune chance face à ces requins. Ils allaient plus vite que le jet ski. On ne va pas attendre gentiment qu'ils nous bouffent les uns après les autres. Ok. On va les affronter ici et on les tuera. Te battre pour survivre, Brian. Qu'est-ce que tu dis? Ne me raconte pas n'importe quoi, d'accord? Arrête. Tu sais très bien qu'elle voulait sauver ces requins. Et ils l'ont dévoré. Arrête, reste calme, Brian. On va s'en sortir. Arrête avec tes conneries. Laisse-moi tranquille. Ce ne sont pas des requins ordinaires. Chut. Ils ne nous lâcheront jamais. Ils vont tous nous tuer. Ils nous tueront si tu la fermes pas. On est tous sur les nerfs, alors tu t'assieds et tu t'écrases. Ça ira, ça ira, ça ira. Relax. Il faut plus de poids. Il faut plus de poids. Il faut plus de poids. Brian, viens vite, il faut plus de poids. Brian, viens ici. Charles, envoie-moi les outils. Où sont Carl et Nancy? Je suppose qu'ils sont dehors. On ferait peut-être mieux d'attendre. Tu sais que c'est pas une obligation. Je vais le faire les doigts dans le nez.
Je suis bien meilleure que toi à la nage. D'accord, mais je veux que tu sois prudente. Tu trouves un bateau et tu reviens tout de suite, d'accord? Ouais. D'accord. Ne t'inquiète pas. Bonne chance, alors. Ouais. Il y a un requin! Nancy, un requin! Il y a un requin! Nancy! Nancy! Un requin! Quoi? Un requin! Nancy, un requin! Oh non! Qu'est-ce qui se passe? Oh non, Nancy, non! Elle voulait aller chercher un bateau, quoi. Il y avait un requin. Il l'a tué, elle est morte. Allez, viens, on peut plus rien faire. Allez. Donnez-moi une limite. Rentrons à l'intérieur. Georges! Rentrons à l'intérieur. Voilà, écoutez ce qu'on va faire. Je vais relever le placard. Compris? On va le tuer. Oh, Seigneur. Heather, allez, va chercher le harpon. Ok, ok, on y va. Brian, enlève-toi. Brian, bouge! Écoute-moi. Dès que je soulève ce truc, vous commencez à tirer. Prêt? Calme-toi, il faut que nous sortions d'ici, je te promets, ça se passera bien. Barbe a été prise par surprise, mais ça peut plus se reproduire, je te le promets. Cette fois, on est prêts, d'accord? Préparez-vous. Vous êtes prêts? Celui-là. J'ai plus de munitions. Merde. Il n'y en a pas d'autres quelque part? Si, dans le placard, sous l'eau. Au moins, il nous reste les harpons. Il y a encore beaucoup de requins. On pourra tous les tuer. Il faudrait plus de munitions. Ouais. Ouais. Tu crois qu'il marche? On dirait bien. Quand ils ont annoncé le tsunami, j'aurais voulu prendre la voiture. Mais elle a voulu rester pour aider. Je l'aimais tellement, tu sais. Elle t'aimait aussi, de tout son cœur. Ne l'oublie pas. Tout ce dont je me souviens, c'est d'elle mise en pièces. Non, arrête. Brian, il faut pas... Te laisse pas hanter par ça. Heather, Heather. Jenny, approche. C'est juste une branche. La mer est remplie de débris. Ce n'est que mon avis. Chut, 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 chut.
Ils vont détruire cette cabane pièce par pièce. Je vais aller chercher le pistolet lance-fusée. Non, tu n'y arriveras jamais. J'y arriverai. Je peux aussi trouver des cartouches sèches. Non, non, ça ne vaut pas le coup. Ils ne sont plus là, ils ont dû aller ailleurs. Ils vont te tuer et tu le sais. T'as aucune idée de l'endroit où est le placard. Personne ne viendra nous chercher. Heather a raison. Si nous envoyons une fusée, peut-être bien qu'on viendra nous récupérer. Ils t'attraperont bien avant que tu les aies trouvés. Quoi qu'il arrive, promettez-moi de ne pas m'abandonner ici. Non, personne ne va rester en carafe. Nous sommes liés. Je te remercie. Il n'y a plus beaucoup d'essence. Démarre-le, on verra si ça tourne. Il doit y avoir de l'eau dans le réservoir. Je vais y jeter un coup d'œil. Essaie de trouver un jerrycan d'essence quelque part. Ok, j'y vais. Je vais y aller. Quoi ? Pas question, c'est mon idée. C'est moi le responsable ici, d'accord ? C'est à moi d'y aller. Tu veux pas qu'on se batte pour ça ? Laisse-le y aller. Y a pas meilleur que toi pour nager à la surface de l'eau. Mais sous l'eau, c'est Pete, le spécialiste. Je ne connais personne au monde qui soit capable de retenir sa respiration aussi longtemps. Laisse-le y aller. Je suis pas d'accord. Je te demande pas d'être d'accord. Ce que je te demande, c'est de veiller sur tout le monde pendant que je suis en bas. T'aurais confiance en moi pendant 5 minutes ? Ouais, tu t'en tireras. Tu m'en dois une. Ouais. Nous surveillerons tes arrières. S'il faut les distraire, nous taperons sur le sol. Au nord et au sud. Doug et moi, on se place à l'est et à l'ouest. D'accord. Faisons ça. Maria, j'ai besoin de ton aide, d'accord ? S'il te plaît, il faut que tu m'aides. Prends-les. Tiens. Force spéciale maritime. Il n'y a plus d'essence. Tout a été emporté. Ah, t'as trouvé des explosifs ? Ouais. Je ne crois pas que ce genre de poisson s'attrape avec un hameçon. J'en doute aussi. On ne va pas sur Terre. Pas tout de suite. Comment ça, pas tout de suite ? Colin, nous n'avons pas assez d'essence. Ils ont besoin de moi. Nous enverrons quelqu'un pour la secourir. Ce sera peut-être trop tard. Il y a une tonne de requins et cette cabane est à moitié submergée. T'as vu comment Carl a fini ? Ne tente pas le sort. Je vais y aller, avec ou sans toi. Tu vois, la moitié de ce bateau m'appartient puisque je l'ai trouvé. Et je l'ai réparé. Je prends ma moitié pour aller chercher Heather et toi, tu fais ce que tu veux avec la tienne. Allez, 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 allez
essaie d'utiliser la fusée sur le requin. Pete. Je t'ai manqué? Oui, vachement. Je l'avais bien dit. Tais-toi. Ça sert à rien. Tais-toi, on va s'en sortir. Il faut le tuer. Il faut la fermer. Écoutez-moi tous. Voilà ce qu'on va faire. On va monter sur le toit. Doug, je monte en premier et tu soulèveras Jenny, d'accord? D'accord. Pas qu'un jour je serai heureux de te voir. Où est Zor? Elle est là-dessous avec les autres. Je crois qu'on a une navette. Doug, aide tout le monde à monter. Allez, Jenny. Viens, grimpe. Allez, c'est bien. Fais attention à ta jambe. Allez, grimpe, tu t'es fort. Je te tiens. Elle doit aller à l'hôpital. Venez, je vous tiens. Tout va bien. Comment vas-tu? Bien. Je te remercie. Je serais pas parti sans toi. Du fond du cœur, merci d'être venu. Vite! Je vais plus tenir très longtemps! Allez, tout le monde dans le bateau. Allez, montez en vitesse. Ça va? Ouais. Ok, George, en route. L'essence. T'en es sûr? Je t'avais prévenu que ça nous arriverait. Bon, alors écoutez-moi tous. Nous allons devoir ramer, d'accord? Alors que le soleil se couche sur cette indicible journée marquée par la mort et les destructions, les flots continuent de recracher les preuves de cette tragédie sur les plages environnantes. Le seul motif de satisfaction aujourd'hui aura été la rapidité avec laquelle les autorités ont réagi. Arpentant les côtes de long en large, les secours sont d'ores et déjà à l'œuvre. Les hélicoptères militaires et civils transfèrent les sinistrés vers les différents centres de secours. De nombreux autocars ont aussi été réquisitionnés pour aider les sinistrés. Plus au sud, les sapeurs-pompiers de San Diego évaluent le nombre des disparus à 850 et ce chiffre ne cesse d'augmenter. Mais l'alerte ayant très vite été lancée, de nombreux habitants ont été épargnés par la vague.
Christ, on est coincé. Inutile d'insister. George, file-moi une rame. On doit descendre de là. Dépêchons-nous. On commence à prendre l'eau. Ok. Il nous reste moins de 10 mètres à faire. On peut y aller à la nage. Non, j'ai perdu 2 personnes à cause de ces requins. Nous n'avons pas vraiment le choix. George, George, qu'est-ce que tu fais? Chut, doucement. George, je vais ouvrir le portail. Traîne pas. Oh, Seigneur. Il faudrait une cisaille. Allez, dépêche. Tu crois qu'il est parti? Entre dans la voiture. Oh, allez, allez. Viens. Tout va bien. Ça va aller. Venez. Oh. Ah. Désolé. Il y a des bouteilles d'eau quelque part. Est-ce que ma jambe va s'infecter?
Je ne crois pas que l'eau de mer pose un problème. Par contre, cet endroit est assez crasseux. Mais on ne sortira d'ici bien avant que t'aies à t'inquiéter. C'est promis. Tiens. Il faudrait retrouver les autres. Je vais chercher une échelle pour que nous allions plus haut. Une fois que nous serons à l'abri, on leur expliquera comment nous rejoindre. Il doit y en avoir une là-bas. Deux salles d'ici. J'espère que la vague l'a pas emportée. Je reste avec Jenny. Je reviens vite. J'ai entendu des histoires de requins capables d'aller sur la terre ferme pour attraper des gens. Ils savent faire ça. À condition qu'ils portent des baskets. Très drôle. Je sortirai de l'autre côté. C'est simple. Quelle galère. Attends une seconde. Viens par là. Vite, si jamais tu échoues... J'y arriverai. Si jamais on échoue... Je vais te dire... Qu'est-ce que tu fais de Colline ? S'il était là, lui aussi, je l'aurais embrassé. Quand ce sera fini, je me marierai avec toi. T'as dit ça un millier de fois.
Oui, mais là, je le pense vraiment. Je t'aime. Je t'aime aussi. Malgré ce qui s'est passé. Excuse-moi. Je vais changer. Et si je vous aime tous les deux? Je m'en débarrasserai plus tard. Tape contre ta portière. Il va venir vers toi. Sois prudent. J'en viens tout de suite. Ta vie pour moi. Je suis payé pour ça. Il n'y a pas d'autre raison. Qu'est-ce que tu veux? Que je dise que je t'aime bien? Uniquement si c'est la vérité. Je t'aime bien, d'accord. Et alors? Et donc, rien du tout. Dans le parking. On est arrivé trop tard. Écoute, je suis vraiment navré, mon pote. Ça va pas te consoler, mais j'ai eu ce requin. On n'aurait jamais dû nager. Il nous aurait eu malgré tout. Comment peux-tu en être aussi sûr? Ah, nous nous amuserons plus tard à ce jeu. Où sont Jenny et Doug? J'espère qu'ils n'ont rien. Derrière, dans la zone de stockage. J'en ai tué un autre. Est-ce qu'il en reste ici? Il semble que non. Pour l'instant. Comment on peut sortir de l'eau? En trouvant l'échelle qui servait à monter ici. On va avoir des problèmes tous les deux. J'ai l'impression que oui. Elle sera heureuse avec moi. Avec moi aussi? T'as eu ta chance. Sache que les couples ont parfois des problèmes. C'est pas pour autant qu'ils doivent rompre. Oui. Mais elle veut avancer. C'est son droit. En attendant, concentrons-nous pour la garder en vie. Je suis là pour ça. Thank you.
J'ai fini. On peut tenter de s'enfuir à la nage. Ou bien on peut rester ici et tuer cette créature. Lorsque les survivants raconteront leur version de cet effroyable désastre, il ne fait aucun doute que nous entendrons parler de milliers d'actes d'héroïsme isolé, voire d'auto-sacrifice, et avant tout de courage. Nos prières et nos pensées accompagnent la population californienne qui, en dépit des événements, s'est battue jusqu'au bout. Ta jambe? Je crois que ça pique. De plus en plus, à vrai dire. Ça a l'air infecté. Il te faut des antibiotiques. Tu auras ça à l'hôpital. Je vais bien. Je me sens même très bien. Je crois que le juge considérera que ta peine est terminée. Non, j'ai encore 20 heures à tirer. T'en es dispensé. Moi, je veux les faire. Ça me plairait bien d'être sauveteur. Ça, c'est une idée. En 20 heures, on peut commencer ta formation. Et si tu veux, je te remplirai tous les papiers. C'est vrai? Bien sûr. La vie de beaucoup de personnes va changer après ça. Oui. On peut espérer que ça change en mieux. Pour tout le monde. Le mieux d'après moi, c'est de repartir à zéro, en rejetant l'histoire ancienne, pour embrasser l'avenir. Vous êtes sûrement allé à la maternelle, comme tout le monde. Est-ce que vous étiez du genre à prêter vos jouets, hein? Je crois que je vais devoir tirer à pile ou face.